Un bon réveil en notre compagnie. Il ne fait pas bon avoir un scooter ou une moto à Paris. Dès septembre, le stationnement devient payant pour les deux-roues motorisées. Alors, si vous voulez esquiver, vous vous mettez au vélo ou alors vous convertissez votre deux-roues en scooter électrique. C'est possible. Arthur Pereira s'est d'ailleurs rendu dans l'atelier de Noël, une entreprise qui est basée à Montreuil, pour observer comment on procède. En trois petites heures, la motocyclette française a perdu son pot d'échappement pour une batterie électrique. Depuis le début de l'année, Tommaso, mécanicien, enchaîne les conversions, plus de 350 véhicules électrifiés. On part sur des moteurs et des composants qui sont sans entretien pour le client. À part les pneus et les freins, en soi, le client n'aura plus rien à faire derrière. Dans la cour juste derrière l'atelier, Alex essaye un scooter électrique. La conversion de son deux roues est prévue en septembre et le trentenaire semble déjà conquis et prêt à débourser la somme de 800 euros. Au niveau du bruit, c'est clairement différent. C'est vraiment agréable. On n'a pas ce petit pot là qui pétarade. On sent un couple vraiment intéressant. Au démarrage, c'est vraiment chouette à conduire. J'ai hâte d'avoir le mien. Victor, le cofondateur de l'atelier, explique ce succès par deux raisons. Le prix de l'essence qui grossit vraiment fortement, le stationnement qui devient payant, notamment dans les grandes villes comme Paris, où là c'est vraiment un déclic pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. La demande devrait s'accentuer l'année prochaine, puisqu'en 2024, 8 véhicules thermiques sur 10 ne pourront plus circuler dans la majorité des grandes villes.